Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur The Callisto Protocol épisode 2 sur PlayStation 5, évidemment, comme d'habitude. 4K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. Plongez-vous dans le noir. Un casque ou des écouteurs, éteignez les lumières, c'est très important. J'ai récupéré le fusible. Pourquoi? Pour retourner, souvenez-vous, là où nous étions morts dans les vestiaires. Parce que pour moi, il y avait quelque chose forcément dans les vestiaires et ça avait l'air incroyable. Donc on va essayer de se venger, hein, d'une part. Et en plus de cela, regardez, en mettant le fusible ici, ça devrait ouvrir une porte. Peut-être une armurerie. À chaque fois, j'ai espoir qu'il y ait des dingueries. Donc j'y crois très très fort. J'y crois très très fort. J'espère que le premier épisode vous a plu. Pour l'instant, les tests, c'est un petit peu en dents de scie autour du jeu. Il faut savoir que c'est l'ancienne équipe qui était derrière, je le rappelle, Dead Space. Ça se ressent d'ailleurs, il y a un très gros truc un peu Dead Space. Et Dead Space a été relancé par EA, hein, qui va sortir d'ailleurs en janvier, me semble-t-il. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et c'est un peu en dents de scie. Il y en a qui apprécient beaucoup. Il paraît que la grosse faiblesse de ce jeu-là, c'est sur PC. Parce que sur PC, il paraît que c'est presque catastrophique. Ils ont des frises et tout. Et nous, sur console, pour l'instant, rien n'a déclaré circuler. Il n'y a rien à voir, évidemment. Tout se passe plutôt bien dans ce premier épisode. Donc, on va voir avec ce deuxième épisode s'il va se passer des petites dingues ou pas. Donc, c'était ici que je m'étais fait casser la gueule. En plus, ouais, mais pourquoi je suis venu ici? Il n'y a rien, en fait. Ok. Voilà. Oh, têtu. Têtu de ouf, hein. Là, c'était compliqué. Là, c'était très très compliqué. On restaure sa vie au calme. Ah, mais c'est pour ça que j'étais mort. En fait, j'ai compris le système. Des fois, il vaut mieux esquiver, prendre son temps, mettre un coup, garder l'esquive, mettre un coup, garder l'esquive, mettre un coup. Ça, c'est forcément... Ah, c'est bien ce que je pensais. Tout ça pour ça? Merde. En fait, je suis revenu ici juste par ego, quoi. C'est ça? Juste pour me venger. Ah! Ok. Je suis incroyable. Putain, mais en fait, je suis venu ici pour rien. Il n'y a rien à faire ici, frérot. Il n'y a que dalle. Ok. En fait, je suis venu ici pour réactionner des gens, quoi. C'est voilà, pour redonner vie à des crapules. Parce qu'il y a putain de rien à faire. Alors, soit j'ai loupé une dinguerie, ce que je ne pense pas. Ah, c'était le traquenard. C'était le traquenard. Tout suspense pour un traquenard. Ok, on se casse. Bon, c'est bon, on a tout fouillé. On est à jour, les potes. On a fouillé à gauche. On est très très bien. On est à jour de chez à jour. Je suis pas peu fier. C'était ici. Et ensuite à droite. Évidemment. Tiens, on va passer par là. À quoi sert la porte à droite, en fait? C'est juste un raccourci parce qu'il y a le bot au bout. C'est débile, ça n'a pas de sens, cette porte-là. Ok. Allez! Cette fois-ci, ça va être que de la découverte. On va découvrir de nouvelles pièces. Et d'ailleurs, pour être très très honnête avec vous, je trouve pas le jeu laid, en fait. Je trouve vraiment pas le jeu laid. Il a son petit truc très Odyssée spatiale horrifique. Honnêtement, il y a un peu de clipping. Hein. On va pas se mentir. Hein. J'ai vu quelques objets clippés, comme on dit, c'est-à-dire apparaître ou autre de temps en temps, ou quelques textures. Mais c'est pas pas de quoi dégoûter, quoi. Je veux dire, pas de quoi sucer un cheval, comme on dit dans le milieu, hein, évidemment. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu ces dossiers-là. Oh, yes, de la vie. Ok, let's go. Attends, peut-être là.
Et d'ailleurs, le patch Day One n'a pas encore été diffusé. Normalement, ça ne serait tardé. Ok. Donc pour l'instant, c'est toujours pas ce qu'on fait prisonnier ici. C'est la merda. La merde de chez la merda. Jacob, ça se complique ici. T'en es où? Je suis arrivé jusqu'à l'infirmerie. Je cherche encore l'armurerie. Ok, c'est bien, tu te rapproches. Continue comme ça. Ok. On se rapproche, mais c'est pas à côté, hein. Et il y a un robot prédateur qui traîne pas loin. Quoi? Pardon? Quoi? Ok, ils ont l'air un peu teubés, ça c'est l'avantage, hein. Quoi? Quoi? Tu pars? Tu pars, sale lâche! C'est pour me montrer que tu rentres vite, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ok. C'était très bizarre. Bon, je l'ai un petit peu endommagé. J'espère que je vais le retrouver endommagé s'il embrouille. Ok, j'y suis, je crois. Je crois que c'est là. Allez, donnez-moi ma première arme, s'il vous plaît. Trouvez quelque chose. Ok, un confin. T'as trouvé quelque chose, Jacob? L'armurerie a été pillée. Il ne reste plus que cette espèce de matraque. Une matraque électrique, ouais. Ces trucs ont du punch, tu sais. Et on va en avoir besoin. Mon première arme, un écoute, peu mieux que... à la tour de garde. Je me suis faufilé, mais c'était vite. Donc ça devrait aller pour toi. On se retrouve à la tour. Ouais, on se retrouve là-bas. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. J'ai allumé quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a comme un truc qui peut arriver derrière. Ah! Abruti! Oh! J'ai pas vu ces pics, dites donc. Ah ouais, mais ça fait que dans cette histoire... Et lâche ce que t'as lâché, frère! Ah, il a lâché. Merci. Ok. Très bien. Y'a rien, là. Désolé, les gars. J'ai aucun putain de respect pour les corps. Ok. Alors... Oh, c'est bizarre derrière, hein. Elle est bizarre, l'ambiance. C'est quoi, ça? C'est une grosse soirée? Ça invite pas Patrick? Ok... Ah? Très bien, ça, ça dégage. Ça, plutôt cocasse. On y est presque. Ok. Ah non, c'est cette tour là. Ok, je dois aller là-haut. Ok, on y va alors. Alors, niveau inventaire, je sais pas du tout où on en est. Je sais pas trop ce que j'ai. J'ai un tonfa toujours. J'ai le surin. Convertisseur d'énergie, je sais pas trop à quoi ça sert. On va pas le lâcher. Convertisseur d'énergie, ok. Ouais, écoutez, niveau inventaire, il se remplit, mais je sais pas trop l'utilité de tout cela. Hop, ça, ça dégage, j'en ai rien à péter. Je vous ai dit qu'ici, on n'a aucun respect pour les morts. Ok. Voilà. Oh, salope. Ok. Wow! Ok. Oh non.
Et là, oh, il m'a arraché la moitié de la face. Mais comment ça? Ah, j'ai maintenu le joystick dans la bonne direction, mais en fait, je pense qu'il faut... Il faut que j'en fasse un, que je recule, que j'en fasse un, que je recule, et tout est quenté. Mais c'est pas évident, ils étaient nombreux là, hein, en vrai. Hein. Je pense avoir fait la moitié du boulot, voire trois quarts. À mon avis, ils sont quatre en tout. J'en ai fait trois. Et là, putain, j'avoue que j'aimerais bien une arme quand même. Hein. Ok. J'avoue qu'une petite arme, ça ferait plaisir. Oh non, ça me dévirait pas. Non, mais gros, ça c'est trop ça. C'est trop. Ok. Désolé là, je dois être très concentré. Non. Ok. Le problème c'est que quand ça vient de derrière, frérot. C'est ça le problème. Vache. Voilà. Oh la vache. C'est dur. C'est pas facile, hein! Putain! Bon, allez, ramasse, donnez tout là. Oh, mais non, ils ont donné de la santé, je suis con aussi, je suis teubé, frère. J'aurais dû me soigner bien avant. En plus, quoi? C'est à gauche que je devais aller, les gars? Non, vous abusez. Ils abusent ou pas là? Quelqu'un est dans la buée ici? Ok. Il y a quoi là? Un enregistrement. On va l'écouter. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, enregistrement. Vos directeurs, j'arrive pas à le cerner. Il a fait plus de changements en quelques mois qu'en plusieurs décennies à Blackiron. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe, ça pourrait finalement être ma chance. Je dois me tenir prêt. Ok, prêt à quoi? Prêt à quoi? J'en ai aucune putain d'idée. Donc, il se passait... Est-ce que cette prison, c'est pas finalement pour tous les cobayes? C'est pas une sorte de prison cobaye où on a été utilisé pour une expérience néfaste? Et voir ce que l'épidémie pouvait faire, justement. Ça peut être pas con, hein, ce que j'ai dit. Ça peut être même totalement dingue. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a rien, je crois, les gars. Pourquoi je vais là-bas? On sait jamais quand... C'est le problème de ces jeux-là. C'est qu'en fait, c'est à nous de découvrir, on sait jamais quand on arrive à un point clé, quand on a fait une belle partie du voyage ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Ok, il y en a deux en bas. Normalement, ça va, on devrait monter. Là, j'ai tout récupéré. Ok, let's go. Yo les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il meurt? Qu'est-ce que c'est? Et là, il y a quoi à gauche? Il y a trop de choses à fouiller, c'est terrible. Il y a trop de choses à fouiller. Est-ce que là, ça va s'ouvrir? Merde. Mince. Je peux plus partir. Tenez votre position. Pas possible. Merde. On se replie. Je peux pas. D'accord, alors activez toutes les unités tactiques. Feu à volonté, je répète, feu à volonté. C'est le directeur, on peut pas lui parler parce que pour justement lui demander. Là, je veux dire, on peut que s'entraider, bah ouais. Toi. Comment t'es entré ici, putain? Moi, j'ai le temps pour ces conneries. Bon, très bien. Laisse-moi récapituler. Tu t'écrases ici, et cet endroit tombe en ruine. Oh, 5-2-1 ! Regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Tu peux me le dire? Différent? Spécial? Pourquoi le directeur voulait te garder en vie?
C'est mon royaume! Il est tout à toi. Ah! Où les gars? Il y a sorti du passé. J'ai fait ici du passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était là. Et ces choses l'ont tué. Eh ben, c'est plus curieux que je le pensais. Allez, continue. J'ai trouvé une pièce sur pas loin. Par contre, je vais être très franc aussi. Je trouve qu'ils ont pas choisi les bons. Les bonnes voies. Putain, c'est dommage, je ne peux plus retourner en arrière, j'ai le seum. Je trouve qu'ils ont pas, ils ont pas choisi des voix... la VF est pas très très bien choisie, pour le coup. Je pense qu'en VE, ça claque quand même bien plus. Et pareil, la personne qui est censée s'occuper du mixage français, audio, j'ai l'impression que elle a pas très bien fait son boulot. Il y a des voix trop basses. Il y a de la désynchro labiale, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est un peu dommage. Attends, mais... C'est... Non, moi, je suis 5-3-1, je crois. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? La vache, ok. Oh, mais il y a des issues partout, c'est horrible. C'est horrible. Et là, il n'y a rien? Il n'y a rien. Putain, c'est moi. Ok, sur un malentendu, c'était un truc de fou. Bon, on a loupé un truc de ouf et je sais pas c'est quoi, ça me dégoûte un peu. Répercussion. Ok. Très bien. C'est un peu sous forme de chapitre. Je m'appuie. Oh. Faire ce qui est nécessaire. Prendre des décisions difficiles. En tant que nouveau directeur, je ferai ce qui est nécessaire. Pour vous, pour cette institution légendaire, pour le bien de toute l'humanité. Le médecin aussi, le chirurgien, la doctresse, avait localisé Elias. Avait l'impression. Elle donnait l'impression qu'elle cachait un truc. Non, frère, mais comment tu peux esquiver ça? Putain. Débile. Comment tu voulais esquiver ça, frère? Maintenant, même quand je vais ouvrir une porte, je vais devoir être... Je vais devoir être très attentif. Dégage-toi. Encore une fois, les corps, je les respecte pas. Vous me respectez pas, je vous respecte pas. Ok. Jacob, par ici! Allez, mec, on se tourne, allez, Jacob, vite! Merde. Ça va les retenir? Putain, j'espère bien. C'est quoi ces trucs? Peu importe. Écoute, on doit sortir d'ici. T'avais pas parlé d'un plan? Ok. Pousse! Prends un peu de santé, Elias, hein, frérot. Hein. On va en avoir besoin. Hein. Putain, mais... On a des crédits. Elle est où, le store? Ou je sais pas, un bail? Ça pourrait être utile. Oh, donne! Amène ça à la reforge. Tu peux créer une nouvelle arme avec ça. Ça me donne une minute pour me connecter au système. Let's go. Ça y est. Imprimer une arme à la reforge. Let's go. Déjà, ça, on prend ça. Ça, mon pote, je te le dis, on le prend. Les coffres d'abord. La famille d'abord. Ok. Oh là là. Let's effectuer go. Une sélection. Quoi?
Oh, ça va être incroyable là ce qui se passe. Non mais tout coûte très très cher. Pistolet. Let's go. Bourrage papier. Voilà, c'est pas nos imprimantes 3D, je vous le dis. C'est beau le futur. Hein. Ok, compris. On a besoin d'un vaisseau pour se barrer d'ici. Un que tu peux piloter. J'ai trouvé un détenu qui peut pirater le réseau et faire descendre un des vaisseaux en orbite. Par contre, il est au SHU. Sécurité maximale. Ça va être difficile d'y entrer. Le corps te dérange ? Ouais, depuis que je l'ai. Ouais, ce truc peut te brouiller un peu le cerveau. T'inquiète pas, on s'y habitue. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur cet endroit. Ouais, j'ai eu le temps d'apprendre. C'est quoi la prochaine étape, le SHU ? On entre par la porte d'entrée ? J'aimerais bien. Mais ça va pas être aussi simple, mon vieux. Ça fait un bail que je suis là, j'ai des privilèges que t'as pas. Alors je vais devoir te faire passer autre part. Mais je serai tes yeux et tes oreilles et je te guiderai. Me laisse pas en plan. Compte sur moi. À moins que tu connaisses un autre pilote. J'ai bien peur que non. Je vais t'ouvrir la porte. Oh, waouh, ça me plaît. Attendez. J'ai la chance d'avoir un petit peu d'argent. La matraque. Débloque une nouvelle attaque basse à utiliser après le blocage réussi de l'attaque finale d'un ennemi. Ouvre l'ennemi à plusieurs attaques. Une enveloppe en alliage légère qui améliore la vitesse du swing en réduisant la traînée. Oh, c'est compliqué. J'ai plus d'argent en plus, quasi. Déverrouille une nouvelle attaque plus lourde. Idéal pour les situations extrêmes nécessitant d'infliger des dégâts plutôt que de contrôler les ennemis. Oh, démission. Oh, mais tout s'achète. 500 les soins. Reconfigure l'impression avec l'ajout d'une poignée. Vas-y, on fait ça, on va les couilles. Hein. Reforger. Donc là, je vais avoir... Oh, 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 oh. Ça me plaît, j'aime bien. J'aime bien. Mission terminée. Let's go. Ok. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Et on verra ce que ça donne. Oh là 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 là, superbe. Mais alors, attends, ils m'ont pas dit comment... Ils disent pas comment changer d'arme. Après avoir effectué un combo d'attaque de mêlée, recherchez la cible de l'indicateur de tir rapide sur l'ennemi. Maintenez la touche L2, puis appuyez rapidement sur R2 pour verrouiller automatiquement la visée sur l'ennemi et tirer avec l'arme pour infliger un coup supplémentaire. D'accord. On va essayer ça sur le terrain. Très bien. Oh, désolé mon pote derrière toi. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Ouais, je trouve ça beau. Je trouve ça stylé. Je trouve ça assez stylé. Ah! Beaucoup de balles quand même, non? Miraculé est infecte. Elle est transformée en ces choses. Prends l'ascenseur pour descendre au niveau suivant. Suis les panneaux jusqu'au centre médical. Je te recontacte. Putain, faut beaucoup de balles, j'ai l'impression. Ça, vous savez, on va tous les écraser, j'aime pas ça. On sait jamais. Sorte de truc de merde alien là. Ok. Ok. Bon. D'où l'importance de finalement ramasser tout l'argent qu'on va trouver. Sinon, ça me paraît très compliqué cette histoire. Ok, il n'y a qu'une sortie ici, si je ne m'abuse. J'ai pas encore trouvé le retournement rapide. Nickel. Dès que j'ouvre ma gueule. Y a pas une élimination à distance? Ah si, putain, les gars. Mais non, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais merci. Mais merci d'avoir fait ça. C'est totalement fou, ça.
le gameplay est bien plus riche que ce qu'on pense, hein, en vrai. Hein. Mais merde. Oh la vache. Oh là là. Quoi? Il est encore vivant? C'est fou ce jeu. Ah, ça c'est stylé ça hein. Ah j'aime bien. Ah ça j'aime bien. Le système de combo est... est pas dégueu hein. On peut y aller, il y a à gauche, il y a à droite, putain, quel enfer. Inventaire plein, pardon. Attends, je peux avoir que 6 balles sur moi. C'est une blague, les gars. Vous êtes sérieux, là? Attends, mais comment ça, inventaire plein? Attends. Comment ça, inventaire plein? Ah ouais, effectivement. Il faut que je revende ça. Vendez-les à la reforge. Ok. Les gars, on a des choses à vendre. On va vider un peu son inventaire parce que là, il y a pas mal de trucs en vrai au sol. Et ça peut être très 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 intéressant. Donc, let's go. En plus, pour l'instant, c'est bizarre, mais... peut-être mon expérience alien. Oh non, tu déconnes. Mais j'arrive à me retrouver. Oh les bâtards. J'arrive à me retrouver. Comment on peut faire pour gratter les munes? En vrai, je vais gratter les munitions. Hein. Ça m'a l'air vraiment... ça m'a l'air game changer. Ça me fait chier. On verra une autre forge. Putain, si j'avais su... si j'avais lu avant. Voilà. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Ok, et là, il n'y a plus rien. Très bien. Et là, des crédits. Ok. Là, il n'y a plus rien, on va tout fouiller. C'est pas dégueu, hein, ce deuxième épisode, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Pour l'instant, écoutez... si vraiment le jeu devient infernal, je vais être totalement transparent avec vous. On arrêtera le let's play en plein milieu. Parce que j'ai lu quand même des critiques de gens vraiment limite à bout, frère. Mais là, pour l'instant, je n'ai aucune raison. J'aime bien. Écoutez, j'aime bien. C'est du Dead Space. J'ai vraiment aucune raison de... de revendre le jeu ou quoi, ou qu'est-ce. Ok. Non mais il y a trop de choses, ça rend fou. Ça rend fou, il y a trop de choses, ça dégoûte. Ça dégoûte. Écoutez, on va aller checker en bas et puis si c'était la suite, tant pis, on aura loupé tout le reste en haut. Mais là, je vois trop d'endroits, trop de... Oh là là. C'est un monstre. Ok. Des crédits. Ok, on peut pas venir ici. Très bien. Enfin, ça fallait le savoir hein, qu'on... j'ai tenté parce que... mais fallait le savoir qu'on pouvait casser le... la vitre hein, si je puis me permettre. Bon allez, on descend en bas, on va voir un peu ce qui s'y trouve. Parce que là je vous avoue que le doute m'a bite hein. Okay. Forcément, pour moi la suite c'est pas là, tu vois. Je sais pas. C'est... oh là là, c'est particulier, hein. C'est particulier. Hein. Je sais... pour moi la suite n'est pas là. Ok.
dirait pourtant la prison de sécurité. La suite n'est pas là, mais ça ressemble à la suite quand même. Il y a un truc de l'autre côté. C'est trop bien par contre ce système. Comment on reload ? Comment on reload ? Ok, il va y avoir des améliorations là aussi. Ok. Ok, on verra plus tard. J'ai pas encore compris là ce système. Attends, je suis un fou moi. J'ai tué deux mecs, je leur ai pas écrasé la gueule. Attendez, attendez. On n'y échappera pas. Voilà, je préfère. Quand même, c'est la petite récompense. La maigre récompense. Voilà, je préfère. Il y a du crédit. Non mais attends, oh... pas de sacrifice pour rien les gars. Hein. Eh, 10 en 10, bon. Il faut 30 et demi pour une amélioration, enfin. Ok. Ah, j'aime bien. Ok, ça a l'air d'être l'endroit un peu secret, tu vois. Joli. C'est quoi, attends, c'est quoi ça? Convertisseur d'énergie en parfait état. Je suis obligé de me débarrasser de certains trucs. Bah ouais, je suis obligé de prendre le parfait état, les gars. Ça vaut beaucoup d'argent, ça. Hein. Puis tout le reste, putain, waouh. On a le choix entre les soins et tout. Ok, j'ai hâte de retrouver une reforge. Oh, on a déconné. Putain, mais dites-moi pas que c'est la suite, les gars. Je refuse d'y croire. Parce qu'il y a encore des choses qui nous attendent en haut. Ok. Oh putain, on remonte. Ça sent pas bon. Et j'ai pas vu le temps passer, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. On va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. C'est un couloir. Bisous tout le monde! Bye bye! T'en dirais la suite, hein. On dirait la suite, hein. Ah non. Ah non, je suis revenu ici. Super! Et ben voilà, c'était bien une Batcave. Allez, bye tout le monde.